Bonjour, c'est Monos et bienvenue sur une nouvelle vidéo euh, consacrée à API C64 et c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui dans cette vidéo on va mettre en place sur le SDK, sur votre projet, un sprite machine du Commodore C64. Alors le Commodore C64 permet d'afficher simultanément 8 sprites. Euh, d'une longueur de 24 pixels sur 21 pixels. Tout comme les, les tiles, les Sprats sont encodés, ce qu'on appelle un pattern de Spratt euh, sur 63 euh, octets. Et pour simplifier la vie, on déplace euh, 64 octets, on réserve 64 octets euh, pour euh, nos chers sprites. La leçon d'aujourd'hui, c'est tout simplement d'afficher un, un sprite fixe à l'écran, le sprite 0. Mais vous verrez que pour le sprite 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, c'est identique, c'est la même démarche. Je vais vous essayer de vous expliquer du mieux que je peux. Vous êtes prêts C'est parti. Alors, moi je prends ça api 64 je euh, projet vous créez ou vous dupliquer le fichier template sur apic64 sprite vous l'appelez comme vous voulez on va tout de suite modifier le mac file pour le plaisir en l'appelant sprite hop voilà on va sauvegarder ça et on va ouvrir dans les sources le fichier main voilà, comme ceci alors c'est parti il y, a, il y a un peu de lourd euh, si vous aimez mes, mes vidéos n'hésitez pas à vous abonner à clocher la, à cocher la cloche parce que clocher la cloche ça ne va pas euh, le petit pouce et le petit commentaire ça fait toujours plaisir et ça motive à faire d'autres vidéos. <laughs> Comme tout fichier C, il va falloir faire tout simplement une include. On va intégrer apic 64h Voilà, ça c'est fait. On va maintenant faire un simple tableau de pattern pour un char pour mettre le char vide, pour être sûr qu'il soit vide. Alors pour cela, je vais faire un copier-coller de ce que j'ai fait. Tableau de pattern. Alors c'est comme la la... la leçon précédente voilà nous y sommes juste je vais juste garder le pattern 0 à 0 voilà nous y sommes maintenant on va faire le notre fonction euh, main hein, tout simplement hop hop et ici on va faire euh, ce qu'on appelle notre boucle euh, notre boucle will 1 infini avec notre white VBL. Alors, encore une fois, je code tout dans le main. Euh, je ne fais pas de fonctions, je ne fais pas de ce genre de choses. Euh, voilà, c'est pour l'exemple. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Vous allez vous organiser comme bon vous semble. Le principal, c'est que vous compreniez euh, comment ça fonctionne. Alors. Alors 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 maintenant on va passer à la suite. On va, euh, Je vais copier-coller toutes les fonctions que nous avons vues euh, précédemment dans la leçon précédente. Par exemple, on va modifier le background et le, la bordure euh, en noir et en gris. Voilà, donc je fais un copier-coller, hein. je ne vais pas tout réécrire. On va déplacer le VigBank en 8000. Et plus le screen memory. En 0 et euh, le, on va c'était là on va modifier le pointeur de tuiles euh, en 800 en offset 800 donc ça on a vu ça dans les chars nous y sommes tac on va copier euh, tout simplement euh, le pattern des sprites des détails en 8800 voilà ça nous y sommes et on va faire un CALS et un screen on à la fin. Ici, nous y sommes. Normalement, on a tout fait. On a un peu retrouvé euh, notre configuration de la précédente euh, leçon, sauf que cette fois-ci, je ne copie qu'un seul pattern euh, pour les les tiles, hein, parce que j'ai qu'un pattern de tiles. C'est suffisant. On va juste voir. Si ça fonctionne, on va se faire notre Mac file Alors j'ai une erreur euh, en deux. Pourquoi j'ai une API euh, Voilà, l'erreur, c'est tout simplement ça. Vous l'avez vu, j'ai oublié le 64. Des erreurs comme ça, vous allez en faire euh, fréquemment, normalement. Donc on est bon. Techniquement, on est bon. Je vais voir. Voilà. On va pouvoir maintenant encoder notre pattern de Sprite. Voilà, on va l'encoder. Je vais vous montrer comment on encode un Sprite en résolution standard. Ça veut dire que notre Sprite va prendre une seule couleur. On fait un tableau d'un un signet char. Sprite pattern égale nos accolades. Et on n'oublie pas le point virgule. Ça c'est fait. Alors notre sprite il fait donc euh, 24 pixels de large contre 21 pixels euh, de euh, hauteur. En gros, et, bah, chaque ligne de notre sprite, spike, pardon, est représentée par 3 octets et on continue sur les 21 octets. Voilà. Donc, tiens, on va faire un carré tout simplement. On va se mettre en mode binaire. On va dessiner notre première ligne 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 là on pourrait mettre 0 complètement mais pour euh, visuellement on va faire 1 2 3 4 5 6 7 8 voilà là on a notre première ligne de notre sprite de dessiner on va faire un sprite visible de 16 pixels sur 16 on va faire un carré de 16 sur 16 voilà Maintenant, on va faire la même chose pour les lignes intermédiaires. On va placer ici un 1 et un 0. Là, on va faire l'inverse. Voilà. Et puis là, on fait toujours un euh, 0. On va dupliquer ça, cette ligne-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Et on ferme. 16 en copier. Notre euh, carré est prêt, sauf que ça ne va pas. Il faut aller jusque 21. Et pour aller à 21, bah, il faut mettre des zéros. 17. 18. 19. 20 et 21 voilà, on remplit de zéro le, le restant de notre euh, tableau de pattern là. Alors j'ai bien mon point virgule. Voilà, bon, maintenant on va passer à la suite. On va configurer euh, tout simplement notre sprite. On a quelques petites choses à faire, et oui, c'est un petit peu contraignant sur Commodore 64, mais le jeu en vaut la chandelle. On va se mettre ici configuration. Alors, je mets des trucs comme ça pour voir euh, visuellement. Alors, pareil, votre CLS. Petite chose importante, mettez-le après le pointeur euh, du VIK. Hein. Sinon, ça, si vous le mettez avant, ça va effacer. Euh, ça va pas effacer au bon endroit. Je me suis fait avoir en préparant euh, le cours. J'ai complètement zappé. Alors. Maintenant, on va faire euh, quelque chose, on va mémoriser, on va euh, tout simplement... C'était le pointeur de Sprite. Alors, le pointeur de Sprite, il est dans les 8 derniers octets euh, des, des, des 1024 euh, réservés pour le screen memory. Euh, voilà, donc il se calcule pour savoir où euh, on va piocher le pattern du Sprite. Et bien, c'est simple, la formule, c'est adresse du VIC l'adresse vic2 plus id qu'on va mettre dans notre valeur, pardon, on va mettre valeur du pointeur fois 24, tout simplement. Ça, c'est une formule à retenir. Euh, nous, on va placer notre euh, pattern de sprite en euh, hop, 8. 8C à l'adresse 8C00. Donc, il faut calculer C00. Ça tombe bien, c'est un multiple de 64 et non de 63 parce que quand on calcule les patterns, on calcule sur une base de 64, c'est beaucoup plus facile. En fait, euh, bah, il faut rentrer la, la valeur 48. Alors, euh, je vais vous montrer ça sur la calculatrice. <laughs> Donc en C00, donc, ce qui nous laisse de la marge pour les 7, euh, on va se remettre euh, en deck, on va diviser par 64, ça nous donne bien euh, 48, hein, euh, tout simplement. Donc 8, 0, C00, ça nous donne le pointeur à 48. Donc on va setter le pointeur, on va se faire un petit 7, pointeur sprite, le sprite 0, et notre pointeur. 48. Ce qui veut dire que le 49 va déplacer si on fait par exemple un 7 pointers sprite 0 euh, 1,49, notre sprite valeur 1 de numéro 1 euh, sera à l'adresse 8C00 plus alors je vais revenir en 64 en exédim 40 plus voilà 40 donc on se déplacera par pas de 40 par rapport à l'offset euh, bah, du VIC hein, tout simplement donc c'est 48 fois euh, 40 et on a l'adresse en hexadécimal voilà mais nous on va se concentrer sur le spract 0 donc par exemple là on est bien en Hop, 8C0. Et là, on sera à l'adresse 8C40. Par exemple, pour le sprite 1. Bon, on met ça. On n'en a pas besoin. Maintenant, on va aller copier les datas, euh, les datas du sprint. Hein, du sprite, pardon. Donc les 64, euh, les 63 octets, normalement. 1, 2, 3, 4. Euh, euh, hum, hum, hum. va falloir que je regarde quelque chose je viens de penser à euh, un petit bug je pense euh, si on fait du multi sprite je, je me demande si ça fonctionne pas bref va falloir euh, peut-être du débugage euh, du sdk ça arrive hein, en, en pleine vidéo je pense à des trucs en principe je dois en rajouter alors on va vérifier par le calcul tout simplement. Donc euh, il y a 64 octets, là j'ai 3 3 octets fois 21 lignes. Voilà, j'ai 63 octets demi. Normalement, je devrais rajouter un octet supplémentaire. Voilà, c'était ça que je faisais. Hop là, bon. Maintenant, on va faire Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai rajouté un octet. Alors c'est comme les char7, on va faire un set Sprite data. Toujours la cible, 8c00. Oui, Toujours euh, le Sprite, l'adresse source, donc le Sprite pattern. Et le nombre de Sprite de pattern à copier. Moi j'en copie un. Alors voilà pourquoi j'ai rajouté un octet dans mon tableau, pour la bonne euh, et simple raison que la formule-là va multiplier ça par 64 et ce sera le nombre d'octets qui va être déplacé. Donc s'il y a deux patterns, si vous n'avez pas vraiment vos 64 octets en mémoire, bah, vous allez avoir un décalage euh, de patterns et euh, bah, vous allez dire bah, ça bug. Donc pensez à bien marquer, bien mettre 64 octets dans votre tableau pour un pattern, voilà, euh, maintenant qu'est-ce qu'on va faire, on va lui assigner une couleur à notre Sprite, et pour ça la formule c'est très simple, c'est un set color Sprite, le numéro du Sprite, Ouf. et ben, le, le numéro de la couleur, donc moi euh, un petit C yellow, c'est pas mal je trouve, un petit C yellow, euh, comme les sous-marins, et puis, euh, juste après le CLS, par exemple, hein, où on peut même le faire ici, on va afficher à l'écran, on va dire au sprite, en cette position-là. C'est très très simple, c'est un set sprite. Numéro du sprite, 0. Et position X et position Y, un pixel. Par exemple, 100, 100. Et il nous manque un petit truc, afficher le spract pour l'activer. Parce que les Spracts ne sont pas affichés de base. Si je dis pas de bêtises. Donc un petit show spract 0. Et là, normalement, on est bon. On semble bon dans notre programmation. On va lancer le truc. Et normalement, on va voir un carré. De positionner ici voilà donc la position des sprites c'est bien en pixels et non pas en case par rapport aux tiles mmh, c'est vraiment du sens -en, là. Mmh, ça me paraît bizarre on va vérifier quelque chose on va reprogrammer un tout petit truc on va se mettre par exemple mon draw sprite en zéro 0 euh, tout simplement, hein. on va copier, on va recompiler avec mon petit mec on va se mettre... Il hmm, y a un truc qui me chagrine, il y a un petit truc qui me chagrine, et ben non il n'est pas apparu, et ce que c'est que ce délire, et ben en fait il est bien présent notre sprite, sauf que ben, il est sous le border, tout ça. Il est caché euh, voilà, donc il y a un petit truc à faire. Je vais vous montrer ça. Hein. On va au bout des choses. Alors, si vous avez lu la documentation, vous le savez. Hein. Nos sprites, euh, le 00 de l'écran n'est pas le 00 du de la time map Alors on va se faire une petite define. On va se faire deux define Une petite define qu'on va appeler correction px et une define qu'on va s'appeler correction. Y. Alors, au niveau de latéral, euh, le 0,0 visible c'est le pixel 24 et en py c'est le pixel 50. Entre 0 et 49 c'est invisible. On démarre à 50. Voilà, maintenant on va faire ici plus c'est plus c'est. Py. Voilà, et normalement, si j'ai bien fait les choses, je suis bien à 0,0. Zéro, zéro. Autre chose technique par rapport au Commodore 64, si vous allez le programmer en basique ou en, ou en assembleur. Et bah un octet c'est euh, 255, entre 0 et 255. L'écran du Commodore 64 fait 320 pixels de largeur. Euh, donc il y a un petit souci, vous allez me dire, mais comment tu fais pour euh, on peut faire du 320? Il n'y a pas de souci, on va se mettre euh, on va dépasser les 250. On va, on va mettre 260 ici en X. Je ne vous ai pas montré les signatures des fonctions. Mais là, on va faire un tout petit peu de théorie. Enfin, de théorie qui n'est pas tout à fait la théorie. Mais là, c'est pour votre culture générale du Commodore 64. Voilà, donc on, est bien, on a bien dépassé les 255 pixels de l'écran. Eh bien, en fait, euh, il y a euh, deux registres, deux cases mémoire pour les sprites. Il y a euh, une case mémoire pour chaque sprite de 0 à 255. Et on a une case mémoire qui en fait euh, son, chaque bit est un flag, est un drapeau. Si le drapeau il est à 1, ça veut dire qu'on dépasse les 255 euh, pixels de l'écran. En fait, on rajoute 255 pixels 255 à la valeur euh, contenue dans le registre propre du sprite, ce qui permet d'aller au-delà des 255. API C64 vous cache euh, ceci, vous n'avez pas à vous prendre la tête pour savoir si vous êtes au-delà de 255 pixels ou pas. Le drapeau, il est mis à 1 ou mis à 0, euh, si vous dépassez euh, 255 ou pas. Ça vous facilite la vie. Voilà, donc c'est transparent pour API C64, ce n'est pas transparent pour le Commodore 64 et quand vous programmez en assembleur, voire en basique. Voilà, donc euh, on en a fini pour cette petite démonstration euh, du sprite. Hein. Vous savez maintenant à peu près comment afficher un sprite. Le plus difficile, euh, je pense, c'est de bien calculer le pointeur de sprite. La valeur qui est là, vous la multipliez par euh, 40 en hexadécimal et vous ajoutez l'adresse du VIC2. C'est là où va partir votre sprite va lire euh, le pattern du sprite. À partir de là, vous pouvez imaginer euh, plein de choses, changer le, le, juste le pointeur de sprite pour faire des animations, ou euh, complètement changer les 64 octets du sprite. Bref, après, c'est votre façon de programmer et de vous organiser. Voilà, on a fini donc euh, cette première partie euh, de vidéo pour les sprites. La prochaine vidéo, on va apprendre à les déplacer avec le clavier. Euh, parce que c'est bien de déplacer un sprite. Euh, à partir de là, vous aurez les trois choses importantes pour créer un jeu vidéo qui est donc afficher des tiles, afficher un sprite et commander un sprite avec le clavier. Avec ces trois choses-là, vous pouvez déjà vous amuser à créer des petits jeux. Si si si, euh, vous avez tout pour créer un petit jeu. Il faut juste voir un petit peu le maniement du clavier. Voilà, c'était donc Monos pour euh, les vidéos de Happy C64. Euh, franchement, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, la cloche, le petit pouce, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Maintenant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne programmation et à une prochaine pour une prochaine vidéo sur Happy C64. Au revoir.